Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal, une émission spéciale pour présenter l'EPSE. Alors on va savoir ce que c'est avec vous, Denis Bauer. Vous êtes directeur de DS Smith France, vous êtes membre de l'EPSE et son représentant aujourd'hui. Pourquoi cette émission spéciale ? Parce qu'hier soir, il y a eu une remise de prix sur des projets architecturaux et donc l'EPSE, c'est le polycarbonate. Donc on va parler polycarbonate. Donc déjà, Denis Bauer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'EPSE ? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Approchez votre micro. Oui. Donc l'EPSE, c'est une association qui a été créée en 2003 à Bruxelles. Le but de l'association est de promouvoir le polycarbonate. Donc en fait, vous représentez, elle représente les industriels du polycarbonate. Oui. Donc... Si on va sur votre site, on verra tous les membres. Oui. Donc nous sommes 11 membres. Le but, effectivement, nous sommes le process de l'extrusion de polycarbonate, polycarbonate et polycarbonate solide et alvéolaire. Le polycarbonate, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement de ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une matière première avec des fournisseurs sous forme de granules et le process qu'on appelle l'extrusion, on en fait des plaques solides ou alvéolaires avec différentes applications. Industriel, mais surtout aussi bâtiment, tant en bardage que pour la toiture. Voilà, pour la toiture, on la retrouve par exemple sur les lanterneaux ou les exutoires de fumée. Ah, absolument. Voilà. Alors, les industriels du polycarbonate ont ressenti le besoin de se réunir dans une association. Pourquoi cette association ? Oui. Le but de l'association, c'est du vitrage industriel. Le but de l'association, c'est de promouvoir tous les avantages du polycarbonate. Face au vitrage ou d'autres solutions. Rapprochez un petit peu votre micro. Oui, bien sûr. Quels sont-ils, ces avantages ? Ouais. Alors, les avantages du polycarbonate sont très nombreux, entre autres la légèreté, donc tout ce qui est mis en œuvre, beaucoup plus facile à découper, la structure pour porter une plaque beaucoup plus légère et beaucoup moins coûteuse, donc tout ce qui est périphérique, profilé. L'avantage du polycarbonate aussi, c'est la possibilité de le fabriquer dans différentes couleurs. C'est aussi la possibilité de le cintrer à froid, chose impossible à faire en verre. Donc ça laisse libre cours à la créativité de tous les architectes. Et d'où le polycarbonate qui a une très très forte progression depuis 30 ans, qu'on retrouve de plus en plus. Donc on le retrouve à la fois dans des objets, hein, qui sont les lanterneaux, mais on les retrouve beaucoup en façade. Et les architectes, on remarque, moi, je suis rédacteur en chef de 5 façades, je remarque que le polycarbonate est de plus en plus utilisé en façade et pour des projets qui ne sont pas industriels, pour des projets de logement ou autres. Est-ce que ça, c'est une volonté de vous, fabricants, d'aller vers ce marché-là ? Non, moi, j'ai envie de dire c'est les clients, c'est surtout les architectes qui, de plus en plus... prescrivent nos produits en cloisonnement intérieur, dans des magasins pour mettre en exergue, en avant des produits, des chaussures. Bon, c'est sans fin. Maintenant, le gros du volume, les 120 000 tonnes de polycarbonate d'extrudé en Europe, c'est quand même beaucoup l'application du bâtiment, couverture du stade de foot, tout ce qu'on peut imaginer, les stades les plus modernes d'Europe sont couverts avec du polycarbonate alvéolaire. Le stade de Londres, hein, c'est ça, le stade olympique de Londres, entre autres. Mais aussi nos stades à nous en France. Et alors du stade jusqu'à la véranda du privé pour 20 ou 25 mètres carrés. D'accord, donc des applications très très larges et qui ne sont pas seulement liées à des projets un peu emblématiques comme on a pu voir en France avec la tour Bois-le-Prêtre de Bacaton et La Salle. Oui, oui. Alors l'avantage aussi du polycarbonate, c'est cette légèreté, mais l'isolation thermique. Et alors là, on a du mal. Expliquez-moi, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est léger, c'est fin, c'est pas épais, et on obtient quand même de l'isolation thermique. Comment ça marche ? Absolument. Et donc, comment on obtient ça ? C'est des lames d'air, chaque plaque alvéolaire. Il y a une structure interne, et on joue sur ces lames d'air qui apportent l'isolation thermique à cette plaque. Et il y a une tendance, donc c'est d'aller vers des plaques de plus en plus épaisses, avec de plus en plus de lames d'air. D'où, il y a 20 ans, on produisait des plaques de 20, maximum, c'était plutôt du 16 mm. Aujourd'hui, on va jusqu'à des plaques qui font des épaisseurs de 50 mm. D'accord. Donc, est-ce qu'on ira plus loin, 50 mm, je ne sais pas si vous l'avez en tête, ça nous fait un R de combien à peu près ?
On approche pas, c'est des isolations thermiques inférieures à 1. Et est-ce qu'on peut remplir ces lames d'air? Oui, bien sûr. Et si on les remplit, avec quoi et pour quelle application? Alors, c'est quand même relativement rare, mais de plus en plus, la créativité veut qu'on rajoute, par exemple, du verre pour amener des particules de verre, des billes de verre, pour amener de l'isolation phonique, mais aussi d'autres produits pour amener de l'isolation thermique. Alors, hier soir, vous avez remis sur Batimat, enfin, l'EPC a remis sur Batimat les prix de son 7e concours, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, c'est un concours que vous organisez tous les deux ans ? Tous les deux ans, c'était à Düsseldorf il y a deux ans. D'accord, et cette année, donc, vous avez choisi Batimat pour présenter ce concours. Trois catégories ? Oui. Une catégorie innovation, design et développement durable. Alors, on va y aller sur les résultats du concours. On va commencer par le design, par exemple, parce que je vois qu'à l'image, nous avons l'immeuble qui a été récompensé. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette catégorie et surtout pourquoi parler design avec du polycarbonate? Alors ça, effectivement, encore une fois, c'est la facilité de mise en œuvre, la possibilité d'avoir des profils et une structure très légère et de jouer sur les couleurs, la preuve. En jouant sur des effets de lumière, il y a aussi moyen de sérigraphier le polycarbonate et ça donne des effets absolument extraordinaires la nuit. Et là, c'est alors qui a gagné là ? Qui est le gagnant et quel est le bâtiment ? Alors moi-même, j'ai découvert les gagnants hier, donc je vais lire. Donc le gagnant, c'est une réalisation en Espagne, à Saragossa exactement, et ça a été créé, fait par l'architecte Carme Pinos. Et ça a été notre membre, celui qui a gagné, c'est le fabricant de polycarbonate qui s'appelle Sabic. D'accord, Sabic, qui est un fabricant qui est dans la péninsule arabique, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Il fabrique de la matière première. Et il fabrique ses plaques aux Pays-Bas. Alors, deuxième gagnant dans la catégorie développement durable. Alors, pour le développement durable, le gagnant, c'est une deuxième réalisation en Espagne, à Cadiz. On va bientôt la voir à l'image. Ah. L'architecte... Voilà. C'est des architectes espagnols qui ont la primeur. Il semble être très créatif avec le polycarbonate. L'architecte, c'est José Luis Bezos Alonso. Et c'est le fabricant, l'extrudeur de polycarbonate, c'est la société Coscon International. Voilà, Coscon Industrial, pardon. Voilà ce qu'on peut faire donc avec du polycarbonate en développement durable. Et toujours de la couleur. Donc là aussi, c'est la transparence, la légèreté de la structure et tout ça au bord de la mer. C'est ça qui a fait que le jury, qui est un jury international d'architectes, de journalistes, a voté pour ce projet-là. Et alors, dernière innovation, et puis elle vous concerne un petit peu, alors on ne l'a pas fait exprès. Là, on était sur la catégorie innovation. Alors, pour l'innovation, Pour l'innovation, la photo va arriver. Et, concernant l'innovation, il faut juste à rajouter, c'était la première année où on a aussi laissé nos clients proposer des projets. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes allé chercher des projets, c'est l'inverse. C'est eux qui viennent vous proposer. C'est nos clients qui ont proposé des projets. Le but, c'est d'ouvrir et d'avoir beaucoup plus de projets et de réalisations. Alors là, il s'agit de quoi ? Et donc là, c'est la société SIH. Donc c'est d'abord une réalisation en France. Réalisation en France, oui. Enfin. Et c'est la société SIH qui a gagné, qui est notre client. Et donc la société DS Smith qui a extrudé ses plaques en polycarbonate alvéolaire. Et leur particularité ? La particularité, on le voit très bien sur les photos. Où est l'innovation ? Voilà, on le voit très bien. C'est le rajout des billes de verre transparentes dans les alvéoles. Donc on combine l'avantage du verre qui amène l'isolation phonique parce qu'il amène de la masse et sans perte de transmission lumineuse. Donc on a cet avantage de lumière qui rentre. Et c'est une innovation qu'on a présentée il y a deux ans pour la première fois à Batimat. Écoutez, merci beaucoup. Merci de venir nous présenter donc l'EPC. EPC, vous êtes donc l'association qui représente les industriels du polycarbonate. C'est ça. Et aujourd'hui, on parlait du concours de l'EPC
et des différents gagnants. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup.